Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo dont je vous avais un petit peu parlé lorsque j'ai fait la carte à gratter, voilà ici. J'ai reçu aujourd'hui le petit matériel que j'avais commandé pour faire les cartes à gratter, voilà. Parce que comme je vous avais expliqué, avec le petit stylet voilà, en bois, c'est limite. Hein. On peut démarrer avec ça, hein, il n'y a aucun souci. Hein. C'est très bien pour démarrer. Mais bon, moi déjà, la prise en main, j'ai un peu de mal. Voilà. Et puis, comme je disais, un petit peu au fur et à mesure, le bois du bout. Fifi vient de passer. S'use. Donc, bon, malgré qu'il y en a un par livre, hein, de toute façon. Mais moi, j'aime pas beaucoup. Voilà. Donc, et j'utilisais donc mon pinceau de maquillage pour les poussières. Que ça engendre quand on gratte la carte. Donc j'ai fait une commande chez Amazon, voilà, que j'ai reçue aujourd'hui. Je devais la recevoir hier, mais bon, j'ai reçu aujourd'hui. Bon, ça va. Alors j'ai ouvert déjà les paquets. Enfin, j'ai fait un moins de bruit. Alors par contre, niveau emballage, nickel. L'emballage là, un premier plastique et un deuxième plastique. Donc, déjà, un bon point. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, le lien pour retrouver, donc c'est une trousse, pour retrouver cette trousse, si jamais ça vous intéresse, si vous faites de la carte à gratter. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver... ça y est, t'as fini, t'es va-et-vient? Non, on a encore un petit à faire. Bonjour. Oui, mais c'est à la caméra que tu dois dire bonjour. C'est pas maman. Maman, tu lui dis bonjour tous les jours. Bisous. Un bisou. Oh oui, un bisou. Allez. Hop, 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 hop. Voilà, mets-toi là. donc, je disais un deuxième sachet. Et donc, voilà. Ça se... Voilà comment ça se présente. Voilà, c'est une petite trousse c'est pas de la toile, c'est, comment on appelle ça, du feutre, voilà, avec une lanière autour, voilà, donc, juste à la dérouler, hein. Et voilà, hop, ça, petite chose qui est tombée, je vais vous le montrer après, et donc voilà la trousse, donc avec deux compartiments, donc moi je vais ranger mieux après dans les deux compartiments, voilà, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, tout sortir, hop, voilà, et voilà, donc je vais vous montrer la trousse sans les stylets dedans, vous voyez, voilà. Donc avec les deux compartiments ici, elle est épaisse, hein, donc elle va durer. Alors on a déjà un petit pinceau, voilà, ben, pour les petites poussières qu'on devra enlever sur la carte à gratter. Voilà, tout doux le pinceau. il a pas l'air de perdre ses poils pour l'instant. Donc voilà, bon, ça va, on l'a bien en main, pas de souci. Bon, je vais enlever les petits plastiques en même temps, hein, comme ça je remettrai directement. Un petit stylet en bois, donc celui-là il est tout droit. Voilà. Donc là il est juste avec une pointe au bout. Ensuite, on a, c'est comme avec une plume, comme vous savez les anciennes plumes qu'on écrivait, ça ressemble un peu, voilà. Voilà, donc là c'est en métal au bout, hein.
Le manche est en plastique. Voilà. Voilà, ça m'a l'air solide. Ensuite, il y a deux stylets. Alors, c'est les deux mêmes. Oui, il y a deux stylets comme ça. Alors, ceux-là sont en plastique. Voilà, donc pointu d'un côté. Et de l'autre côté, voilà, ça fait comme ça. Donc là, c'est les deux mêmes. Et on a ensuite deux comme ça. Alors, je vais regarder après parce que là, il y a un chapeau. Donc là, la pointe est en plastique. Enfin, un plastique dur. Hein. Et donc, il y a un petit bouchon, voilà, avec une pointe en métal, une toute petite pointe. Donc ça, c'est bien pour faire ben, justement les toutes petites parties très fines. J'aurais pu bien prendre mon cure-dent. Voilà. Donc ça, elle est protégée donc, avec le petit chapeau. Et je suppose que le deuxième, c'est le même. Oui, voilà. Donc, bon, ça, c'est en double. Au moins, bon, il y en aura un qui sera usé. Voilà. Et donc, ici, comme cela. Ensuite, on a ce petit flacon. Voilà. Alors, ça, c'est un flacon réparateur. Alors, hop, je vous ferai, je vous montrerai. Attendez, je vais essayer. Voilà. Là. Si vous faites des griffes sur votre carte à gratter, là où il ne faut pas, donc vous pouvez réparer avec ça. Alors, par contre, ça, vous voyez, il n'est pas très grand. Hein. Bouge, Fifi. Il n'est pas très grand. Par contre, j'en ai pas encore vu des recharges ou des vendus tout seuls. Il faudra que je continue à regarder un peu sur Amazon pour voir s'il y en a là, qui sont vendus tout seuls. Bon, mais là, pour l'instant, je ne vais pas déjà user tout ça. Hein. On verra. Je vous montre après comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et ici, dans le petit sachet qui s'ouvre là-haut, Fifi, ton petit pot de colle. Hein, ton petit pot de colle. Non, mange pas les stylos à maman. Non. 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 Elle veut manger les stylos. Voilà. Un gant. Oui, avec deux doigts. Alors. Ah, allez, ma grosse. Hop. Donc voilà, c'est un gant, alors c'est en un peu en lycra, ouais, c'est du lycra, vous voyez ça, la glu. Alors, je vous montre comment on le met, que je ne me trompe pas, on y passe la main, bien sûr, c'est plus simple. Fifi! Voilà, on met comme ça. Voilà. Comme ça, ça pose sur la carte à gratter, si vous voulez. Et puis après, vous travaillez avec votre stylet. Voilà, ça pose sur la carte à gratter et vous ne risquez pas d'abîmer votre carte. Voilà, bon, avec l'autre main, faites attention par contre. Il n'y a qu'un seul gant. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, c'est la seule trousse où j'ai trouvé qu'il y avait ce gant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. J'ai dit, bah, tant qu'à faire, ça me paraît pas mal. Parce que comme les cartes à gratter, c'est extrêmement fragile. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Donc, voilà. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos, comme je vous ai dit. Alors, je vais ranger bien tout.
le lien pour retrouver cet article. Donc, comme je vous ai dit, moi, je l'ai eu sur Amazon. Voilà. Le gant, je vais mettre un peu au-dessus. Donc, voilà. Donc, avec les deux petites poches. Oui, c'est nickel. Après, on n'a plus qu'à le refermer. Voilà, vous faites le tour de ça. Il n'y a pas de boucle, hein, mais bon, voilà. On fait, hop, je fais un petit nœud comme ça. Ça me suffit. Voilà, vous voyez. Et bon, ça ne prend pas de place, hein. C'est très bien. Enfin, j'ai oublié de mettre, bon, puis vous remettez le petit gant dedans. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit essai aujourd'hui pour voir si tous ces petits stylets fonctionnent bien. Et comme ça, bah, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne. Allez, je vous change de caméra. Hein, vous avez compris? Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Nous voilà, donc j'ai mis le petit gant. Comme ça, vous voyez, ça pose sur la carte à gratter et je risque pas de l'abîmer normalement. Hein. On va voir ça l'usage. Là, si je frotte, non, ça bouge pas. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Donc, voilà. Et on fera avec la petite pointe les petits éléments. Donc, on va attaquer et on va voir ce que ça donne. Bon, ça gratte bien déjà. Le petit pinceau. Je trouve déjà ça beaucoup mieux que le petit stylet en bois. C'est beaucoup plus facile pour faire les. Comment? Ah ben voilà, voilà ce que je voulais. Voilà, voilà ce que je viens de faire avec mon ongle. Super. Ah. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein? On va essayer de se servir de la petite pointe pour voir ce que ça donne par les petits morceaux ici.
Par contre, je suis sur une couleur très foncée là, donc on voit pas bien. Je vais essayer d'aller faire une autre partie pour que vous puissiez mieux voir. Je vais finir ce petit bout là quand même. Je crois qu'il y a sur ce mandala, je crois qu'il y a un défaut dans la couleur qu'ils ont mis en dessous. Parce que regardez, vous voyez les traces là. Je crois qu'il y a un défaut dans la pose de la couleur. Alors, on va regarder. Faire les bords par exemple. Comme là, il y a des petits ronds. Petits ronds, c'est difficile. Voilà, vous voyez, ça va bien aussi avec la petite pointe. Bon, c'est vrai que c'est une activité qui prend du temps. Hein. Ça, il ne faut pas s'attaquer à ça si on est pressé, si on n'est pas patient. Si on n'aime pas ce qui est minutieux. Oui, bon, donc là, les deux pointes vont bien. Allez, on va essayer celui-là. Voir ce que ça donne. On va essayer sur une grande partie. Alors, c'est pareil, il faut faire attention parce que ça fait beaucoup de poussière. Donc, si vous êtes un peu maniaque sur le ménage, la poussière, faites ça plutôt dans un endroit. J'ai un de mes abonnés qui me parlait qu'il en faisait. C'est un garçon, justement. Et lui... c'est Ludovic, voilà, si tu passes par là, Ludovic, bonjour. lui, il fait ça sur sa terrasse, parce que bah, justement, à cause de la poussière que ça engendre, au moins, comme ça, bah, la maison reste propre.
Bon, là, moi, je voudrais bien faire sur ma terrasse aussi, mais bon, en ce moment, je peux pas trop y aller. Parce qu'on a une invasion de... Comment? De fourmis, des fourmis charpentières. Donc, c'est des énormes fourmis. Et j'en ai, moi et les voisins, je ne suis pas la seule, une quantité phénoménale dans la cour. Et c'est des fourmis que, dont les mâles ont des ailes, donc ça vole. C'est cochonnerie, là. J'adore les animaux, là, mais là, ces petites fourmis, enfin, des petites. Ce n'est pas des petites, hein, je vous assure. Elles ne sont pas vraiment pas si petites que ça. Elles font, elles peuvent faire entre 1 et 2 cm, 2 cm et demi. Et là, normalement, j'ai mon voisin qui a trouvé le nid. Donc, on sera peut-être tranquille. Mais là, c'est par centaines hein, qu'on les a dans nos cours. Donc en ce moment, faire des activités sur la terrasse, non, pas tellement. Bon, mais cette petite plume va très bien aussi, hein. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas les mandalas, bien sûr, il y a d'autres livres hein, sur les cartes à gratter, sur plein de thèmes. Hein. Thèmes féeriques, dessins animés, les poneys, enfin, les poneys, pas les poneys, je voulais dire les licornes, les trucs féeriques, je l'ai déjà dit. Les trucs avec des têtes de mort, avec des animaux, avec des plantes. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes sur les cartes à gratter. Alors, on m'a demandé également. Comment je faisais pour protéger les cartes? Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, soit avec de la laque, voilà, toute simple, la laque à cheveux, ou alors une bombe à vernis. Mais oubliez tout ce qui est vernicole, tout ça, hein, ça, non, non. Surtout pas. Ça abîmerait votre travail. Ou vous pouvez tout simplement le plastifier. Vous passez dans la machine, dans une plastifieuse. Voilà. Donc c'est pareil. C'est un de mes abonnés qui m'a posé la question. Donc, c'est encore un monsieur, voilà. Vous voyez, j'ai quand même des hommes sur ma chaîne, et en plus qui s'intéressent à ce que je fais, qui me posent des questions, c'est sympa, ça me fait plaisir. Donc, c'est Benjamin, et donc, m'avait posé la question de savoir comment je protégeais mes cartes à gratter. Donc, voilà. Avec de la laque, du vernis ou en les mettant, les mettre, les faire passer à la plastifieuse. Ou alors, si ce serait par exemple
les grandes cartes, des modèles qui vont me plaire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout simplement les encadrer. Mais les encadrer avec, sous verre. Voilà. Bon, celui-là, par contre, il ne sera pas encadré, rien du tout, parce qu'il ne me plaît pas beaucoup. Je ne sais pas si ces couleurs-là, je crois, j'ai l'impression qu'il y a un défaut dans la couleur du dessous. Je ne sais pas si c'est ou si c'est un effet donné. Parce que ça le fait partout, ou alors c'est l'effet donné. Il faudrait que je vois quand il sera terminé. Alors, on va changer d'ustensile. On va essayer celui-là, hein, ce en plastique. Alors, bon, je reprends. La pointe, toujours pour faire les bords, hein, d'abord. Ça va, ça me paraît pas mal aussi. Ça me paraît un peu plus sec au niveau du glissement. Mais bon, ça va. Donc, il y a un deuxième côté, hein, celui-là. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça sert à quelque chose, le deuxième. Pour faire des parties plus grandes. Yeah. Donc ça, cette partie-là, donc, c'est pour faire des surfaces un peu plus grandes. Voilà. Alors, j'ai la poussière partout. Donc, il me reste à essayer. Donc, le stylet en bois, mais ça, bon, on connaît, hein, puisque c'est déjà comme un stylet que l'on a avec les livres. Sauf que celui-là est rond au lieu d'être plat. Il va bien, hein, très bien même. Mais bon, j'ai un peu plus de mal, moi, avec le bois, hein, ça se voit. Je sais pas. Il va très bien, hein. C'est moi, hein, qui N'inquiétez pas, hein, c'est les voitures qui roulent comme des dingues, c'est le soir, là. Je suis juste à un calvaire, un carrefour. La Sainte Vierge qui est dans le calvaire, elle envoie toutes les couleurs, tous les soirs. Non, mais je pense que ça doit être fait exprès, alors la couleur comme ça. Ben ça va, il va bien aussi, hein. De toute façon le bois va toujours bien, hein. Je finis les petites parties que j'ai oubliées. Voilà. Là on aura essayé tous les stylets. Alors, on va faire exprès de faire une bêtise, parce qu'on en avait déjà fait une, hein, là, quelque part. Mais je vais en faire une sur le côté. Voilà. Pour essayer ce petit flacon, donc, je vous remontre. Voilà, le réparateur. Il y a déjà une griffe.
Alors, on va se faire une belle griffe. Voilà. Tant qu'à faire, hein. Bon, je ne sais pas s'il faut secouer, c'est pas marqué, mais bon. Sans savoir, on secoue. Donc, ça se présente comme un pinceau de vernis, hein. Vous voyez. Et donc, on va en mettre... Voilà. Donc je vais, il va falloir laisser sécher pour voir si par contre ça va rester brillant ou mat, parce que là pour l'instant vous voyez c'est brillant. Donc si ça reste brillant, ça ça m'embête par contre. On va laisser sécher, puis on verra bien. Bon, celui-là, il me servira de brouillon, hein, vous voyez. Donc, je vous remontre les différentes pointes, hein, qu'on a eues. Celui-là, avec de l'autre côté une pointe très fine, qui a un chapeau, un petit bouchon. Donc, celui-là, on en a deux, hein, dedans. Voilà. Celui en plastique, comme ceci, blanc, pareil, on en a deux. Au moins, bah, quand il y en aura un usé, j'en aurai un de rechange. Voilà. La petite plume, comme ceci. Le petit pinceau, le petit, non, dans l'autre main, le petit flacon réparateur et le gant, voilà. Et puis la petite trousse, bien sûr. Alors, bah, c'est en train de sécher. Ah, en séchant, alors regardez, je sais pas si vous allez voir, voyez, le brillant, il y a de moins en moins de brillant, donc c'est bien. Attendez, je vais secouer un peu pour que ça sèche un peu plus vite. Voilà, c'est presque sec. Et oui, il n'y a plus de brillant. Voilà. Donc on va voir, je vais attendre encore un tout petit peu que ce soit sec. Et on va voir si on peut regratter dessus. Vous voyez ? Par exemple, comme là, vous voyez, j'ai fait une griffe là, carrément en travers. Bon, je vais remettre un peu de noir là, mais bon, automatiquement, je vais déborder. Hein. Et donc, je voudrais quand même savoir si je peux gratter, si je peux gratter autour. Voilà, vous voyez, je passe ma main, c'est sec. Hein. Un tout petit peu et on va voir si on peut gratter dessus. Bon, par contre il y a une différence de couleur, voyez, voilà, là il y a quand même une différence de reflet, mais allez, on va voir si on peut gratter dessus. Oui, voilà, c'est bien. Voyez, donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est une peinture réparateur, mais si vous en avez mis trop, par exemple, c'est une fois que c'est sec, c'est bien, vous pouvez regratter dessus. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous dis, hein, celle-là va vraiment me servir de brouillon. Et donc je vais. Oui, j'avais oublié de dire, il y avait aussi le petit stylet en bois. Mais ça, vous le saviez, je vous l'avais déjà montré. Allez, je vous remets devant. Donc voilà,
Ah, mince, j'ai frotté mes yeux. Ah, ça pique. Donc voilà, je vous ai présenté la petite trousse pour faire les cartes à gratter. Bah, mince, alors. J'ai frotté mon œil. Je ne sais pas ce que j'avais sur les mains. Ah. Donc on va bien tout remettre en place. Voilà. Et comme ça, bah, je suis contente. Je suis équipée. Voilà, mettre le petit gant dedans. Et comme ça, bah, je suis tranquille pour faire mes cartes à gratter. Je ne vais plus m'embêter avec le petit filet en bois. Bon, qui allait bien, hein, pour commencer, c'était très bien. Mais ça faisait un moment que j'utilisais ce stylet en bois et ça commençait à me prendre le chou. Donc voilà, ma petite trousse qui ne va pas prendre de place. Et pourtant, je n'ai pas fait d'oignon. Hein. Comme ça, ben, je vais pouvoir faire mes petites cartes à broder, j'allais dire. N'importe quoi. Mes petites cartes à gratter tranquillement. Là, j'ai repéré un nouveau livre. Je verrai, mais je le prendrai le mois prochain. Pour l'instant, j'ai assez. Hein, donc, je verrai ça le mois prochain. Il me plaît bien. Je vous en parlerai bah, quand je l'aurai. Et là, pour ce soir, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, bah, si cette petite trousse vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. En plus, bon, c'est pas, elle est pas très chère, hein. J'ai payé ça quoi, 13 euros, ouais, 13 euros quelques centimes. Donc vraiment pas très cher du tout. Et si jamais vous l'achetez, n'hésitez pas à revenir vers moi, bah, pour me dire ce que vous en pensez aussi. Voilà, plusieurs avis, c'est toujours intéressant de connaître. Allez, je vous laisse pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, plein de belles choses. Et n'oubliez pas vos commentaires, vos petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne. Et on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bisous, bisous.